coucou tout le monde. Donc on se retrouve pour un petit haul Leclerc. Donc j'en ai eu, je crois, pour 172 euros, il me semble. Donc je vais vous montrer un petit peu les courses Leclerc. Donc j'ai d'abord pris deux boîtes d'œufs, du coup. C'est les boîtes de 10. Donc là, en fait, j'ai préparé encore les repas de toute la semaine. Ensuite, j'ai pris 6 bouteilles de cola gin. Donc, les enfants aiment bien celui-ci. Donc, cola gin classique. Donc, de la marque Repère. Donc, j'en ai pris 6. Je vais leur déballer en même temps parce que tout est mélangé. Ensuite, j'ai pris du 7-Up. Donc, c'est les bouteilles de 1,5 litre. Donc pareil, les enfants aiment bien, Christophe aime bien, donc j'ai pris 6 bouteilles. Ensuite, j'ai pris, je ne sais plus si j'ai pris une ou deux bouteilles de menthe. Donc la menthe, je prends toujours les grosses bouteilles comme ça, c'est les, que je ne dis pas de bêtises, je sais plus, c'est les 1,5 litre. Donc c'est la marque Repère, celle-ci, Christophe aime beaucoup, donc... Donc je sais plus si j'ai pris une ou deux bouteilles, il me semble qu'il y en a deux. Mais je ne suis pas sûre. Donc là je vais mettre les boissons de côté. Il y en a encore normalement. Donc il y en a encore normalement. Donc ensuite on a du Pepsi, donc les bouteilles d'1,5 litre. Donc j'en ai pris deux. J'en avais pris 12, mais il n'y en avait plus que deux disponibles. Donc j'ai pris les deux dernières. Et normalement j'ai pris du coup du Coca vu qu'il n'y avait plus de Pepsi, mais je le vois pas. Donc je vous montrerai si je le trouve. J'espère qu'il n'a pas oublié. Donc ensuite, j'ai repris pour les minouches les sachets fraîcheur, donc format x24, la marque Repère. Donc vous en avez 6 au bœuf, 6 à l'agneau et aux carottes, 6 à la dinde et 6 au poulet et petits pois. Donc je sais qu'avec ça, les chats peuvent être malades, pardon. Donc, mais moi, ils ont un sachet pour les 3, donc c'est vraiment très peu. Un sachet le matin et un sachet le soir, que je partage à eux 3. Donc ça leur fait vraiment une petite portion et la journée, ils ont les croquettes à volonté. Donc le 24, donc je suis tranquille, 12 jours. Donc voilà. Ensuite, j'ai repris les croquettes. Donc les croquettes, je vais mettre ça sur le côté. Les croquettes, je prends toujours les Whiskas. Donc avec les... donc c'est au poulet et délicieuses croquettes fourrées au lait. Donc c'est toujours les juniors de 12 mois. Donc de toute façon pour l'instant je suis encore dedans. Mais j'ai toujours pris ceux-là. Je prenais toujours ceux-là aussi pour Mina. Parce qu'ils adorent les croquettes au lait comme ça. Donc je reste sur les Whiskas. Ensuite, j'ai pris des paluches. Donc pour faire des pains bagnats demain soir normalement. Donc j'en ai pris 6, c'est par 2, j'en ai pris 6, donc c'est 1,10€ les deux. Ensuite, j'ai pris 2 paquets de pain pré-cuit, donc ça entre deux ça dépanne, en plus que ma boulangerie est en congé, donc j'ai pris, j'ai repris 2 paquets. Donc voilà. Ensuite, j'ai repris des... petit pain au chocolat, donc toujours la marque Repère. La marque Repère, ça va, c'est des bons produits. Donc là, il y en a 12. Donc ça, c'est plus pour Méliano. Elle aime bien en manger hein, le soir, souvent. Après souper, en fait, avant d'aller se coucher, elle aime bien manger un petit pain. Ensuite, j'ai repris un pain. Oh, je me suis trompée. J'ai pris un pain demi, mais je me suis trompée. D'habitude, je prends toujours sans croûte. Et là, ben, je me suis plantée. Non, tant pis, ça fera l'affaire quand même. Ah, ok. Pourtant, j'avais écrit, parce que j'écris toujours pain sans croûte. Voilà, je me suis plantée. Ensuite, j'ai pris donc pour Méliano, qui adore manger ça entre deux aussi.
Donc les boîtes Curly Club. Donc là, vous voyez les 4 là. J'en ai pris 2 comme ça. Et vous êtes chiantes là, hein, les animaux. Tout est mélangé, donc je vous montre, mais tout est mélangé. J'ai pris de la laitue. Donc il y en a 2. Donc il y en a une pour ce soir. Ce soir, c'est les boules fromage avec une salade. Et il y en a une du coup pour le fil de l'or. Et il y en a une du coup pour les pains beignets, donc demain soir. Et vous allez voir les animaux passer partout. Ils sont partout. Ensuite, j'ai pris un sachet. Tu peux te pousser s'il te plaît, merci. J'ai pris un sachet de pommes de terre. Bon là, c'est les bio. Vapeur et sauté, donc pour faire les pommes de terre aux œufs. Donc j'en avais pris 2, mais il n'y en avait plus qu'un de dispo. Et il n'y a pas ceux que je prends d'habitude. Donc bah, là, il y a 1,5 kg. Il m'en reste un petit peu, donc on fera avec. Voilà. Donc, ensuite, c'est quoi? En surgelé, j'ai repris les boulettes Charal. Donc là, elles sont super bonnes. En surgelé, franchement, nous, on ne prend que les Charal. Parce que la sous-marque, là par contre, la sous-marque, elle est pas, elles sont pas bonnes. Tandis que celles-ci, elles sont super bonnes. Les Charal, franchement, il n'y a rien à dire. Donc ça sera pour faire des spaghettis boulettes, je crois que c'est vendredi soir. Ensuite, du ketchup. Donc le ketchup, par contre, je prends la marque Repère. Rustica, c'est les grands de 1 kg. Et celui-là, franchement, il est très bon. Donc, j'en ai pris 2. La mayonnaise, on prend la Amora parce que la sous-marque, on n'aime pas. Donc la Amora, là, c'est des 470 grammes. J'en ai pris 4 parce que ici, ils mangent beaucoup, beaucoup de mayonnaise. Ensuite, je vais prendre le sachet. Alors, du coup, je vais vous montrer. J'ai repris donc 2 poulets pour demain midi. Donc c'est la marque Repère aussi, les poulets Volandry, donc les poulets d'un kilo 4. Donc j'en ai pris 2 pour demain midi. Voilà. J'ai pris un lot de 8 steaks hachés. Donc les 8 steaks hachés, pareil, toujours la marque Repère, ceux-là sont super bons. C'est les 25% de matière grasse, je crois. Non, 15% de matière grasse. Donc ça, c'est pour faire des hamburgers maison. Ensuite, j'ai repris, là, il n'y avait plus en grand, donc j'ai repris en petit les pizzas 4 fromages pour Meliana, parce qu'elle ne mange que ceux-là. Donc la marque Repère. Et là, bah, du coup, il n'y avait plus en petit, il n'y avait plus en grand, donc j'en ai pris 2. J'en ai pris 2. Ensuite, pour la raclette, j'ai pris du bacon, donc la marque Repère aussi. Du bacon. Du rôti de porc, comme ceci. Donc il y a 8 tranches. Du jambon cru. Donc là, la marque Eco Plus, il fait très bien l'affaire. Des saucisses de Strasbourg. Donc pareil, la marque Eco Plus, elles sont bonnes. Là. Pas de soucis. Ensuite, j'ai pris 2 paquets d'escalopes de dinde. Donc, il y en a 2 à l'intérieur. Donc, là, voilà, ça nous en fait 4. Parce qu'il y aura pâte escalope de dinde. Je crois que c'est lundi soir. Et de là. Ensuite, donc pour demain midi avec le poulet. Donc, j'ai repris 2 boîtes de champignons de Paris. Donc je prends toujours les entiers. Je trouve que c'est meilleur que ceux qui sont déjà coupés. Alors ensuite, j'ai pris donc toujours pour la raclette. J'ai pris en charcuterie de la rosette. Donc la marque Saint-Azé de Marc Repère. J'ai pris du chorizo doux. Là j'ai repris du jambon. Donc c'est par lot de 10 tranches. Donc j'en ai pris 2 paquets. Bon ça, parce que ça entre deux ça peut toujours servir, et il y a des croque-monsieur qui sont prévus
je crois que c'est mercredi midi. Et pain fromage dans la semaine, donc voilà. Ensuite, en fromage, du coup, j'ai pris un grand emmental de 500 grammes. Donc ça, c'est plus pour Christophe. Ensuite, j'ai pris un petit fromage comme ça de brebis. Il y aura bien s'ils aiment bien. Bon, c'est un petit, hein, il n'y a que 100 grammes. Mais bon. Voilà. J'ai pris deux paquets de raclette Richemont. Donc là, par contre, la raclette, je ne prends pas la marque Repère. Tout simplement parce qu'elle est vraiment pas bonne, quoi. Elle est pas top du tout. Donc en raclette, on reste toujours sur la Richemont. Celle-ci, au moins, c'est la classique, mais elle est super bonne. Et moi, j'aime bien des fois prendre celle au poivre. Elle est bonne aussi. Donc là, c'est des paquets de 420 grammes. J'ai pris deux paquets. Ensuite, du coup, forcément, j'ai pris du fromage burger, donc du cheddar. Donc pareil, toujours marque Repère, donc pour les hamburgers. C'est très bon. En fromage, toujours, j'ai pris deux mystères de prieuré. Marque Repère, mais celui-ci, ça fait comme le Coustouron, tout ça, mais le mystère de prieuré, il est super bon. Chez nous, on appelle ça le fromage à maman. Ne me demandez pas pourquoi, c'est le fromage à maman. C'est parce que j'en mangeais beaucoup, beaucoup. Toujours en fromage, on a pris un cœur de crème. Cœur de crème, donc toujours pareil, de la marque Repère. Ça fait comme le caprice des dieux un peu, et il est super bon. Ensuite, j'ai pris un maroilles. Donc ça, c'est pour les boules fromage ce soir. J'ai repris trois Munster. Donc ça, c'est pareil, c'est pour les boules fromage. J'en ai pris trois. Ensuite, j'ai repris un camembert. Donc ça, de base, je préfère le prendre, bon ça va, en magasin. Parce que nous, en fait, on aime bien quand le camembert, il est bien dur. Surtout pas coulant. Quand il est très coulant, on n'aime pas ça. Donc j'ai repris un camembert. Un carou. Donc ça, c'est pareil, toujours marque Repère. Et c'est ce qui ressemble au rouille. Mais le carou, il est très très bon aussi. Donc voilà. J'ai tenté de prendre un bleu d'Auvergne, donc j'en avais jamais vraiment acheté, mais ça peut faire. Voilà. On fait un fromage en plus. Ensuite, là, j'ai pris des lots. Ça, c'est du chèvre adoré, donc toujours la marque Repère. Donc, ça, Christophe et Alexis, ils aiment beaucoup. Bon, c'est vrai que c'est petit, vous avez vraiment quatre petits trucs comme ça à l'intérieur, mais bon, ça peut dépanner pour un petit repas ou pour une petite fin entre deux. Donc, j'ai pris deux lots. J'ai pris, je sais plus si j'en ai pris qu'une ou deux, une boîte, je crois que j'en ai pris deux, une boîte de thon entier ou naturel, donc je prends la Petit Navire. Avant, je prenais toujours la marque Repère et en fait, je me régalais de moins en moins. Il est vraiment pas top le thon de la marque Repère. Donc là, je prends le Petit Navire, donc le prix, ben, c'est vraiment beaucoup plus cher, mais honnêtement, il n'y a rien à dire, il est largement meilleur. Donc voilà. Ensuite, j'ai pris deux petits paquets comme ça de chapelure dorée. Donc ça, c'est pareil, c'est pour les boules de fromage ce soir. J'en ai pris deux parce que là, il n'y a que 250 grammes. Donc la marque Tipiak, mais en drive, il n'y a que la marque Tipiak. Il n'y a pas la sous-marque. Donc j'ai pris deux paquets. En pâte, du coup, j'ai pris un paquet de coudes. Donc ça, les pâtes, il y en a deux fois, je crois, cette semaine. Si je ne dis pas de bêtises. Mais bon, ça, on aime bien en avoir de l'avance, on ne sait jamais. Il y a des fois, si on veut changer, faire un repas vite fait. Désolé, mais ils sont en train de fouiller les sacs. Donc, j'ai pris un paquet de food. J'ai repris forcément les coquillettes. Mais il y en a les qui préfèrent les coquillettes. J'ai pris du coup les pains hamburger classiques. Donc, il y en a 6. Donc, ça, c'est la marque Jacquet. Et ceux-là, ils sont très bons. Donc, j'ai pris deux paquets. J'ai repris un paquet de peach. Donc, avec intérieur goût chocolat. Ceux-là, ils sont super bons. Donc, j'ai repris un paquet. Pour Meliana, toujours, j'ai repris les boîtes. Là, c'est les pépices de Vico. Donc, à l'intérieur, c'est ceux-là. Donc, ça, ceux-là, elle n'aime pas trop. En fait, elle mange plus ceux-là. Mais bon. Elle aime bien. Donc j'ai repris deux boîtes comme ça. Et j'ai repris deux boîtes comme ça. Tokapi, la marque Leclerc. Donc avec le petit ketchup à l'intérieur. Donc là c'est pareil. Elle a ses préférés. Elle préfère les deux duos. Ceux-là pourtant ils sont trop.
trop trop bon. J'ai repris pour le café un petit chinois. C'est super bon. Et Camille, elle n'avait jamais mangé, elle a goûté et elle s'est régalée. Elle m'a dit, t'as pas racheté le chinois? Donc voilà. J'ai repris en pâte des penées. Donc là, les penées, par contre, je prends toujours la marque Panzani. Je ne prends plus la marque Repère. Parce que la marque Repère, en fait, les penées se cassent et ils sont pas bons, en fait. Donc les penées, c'est les seuls que je prends la marque Panzani. J'ai repris du coup en pâte aussi un paquet de Gansette. Donc ça c'est pareil, j'ai pris Panzani parce que là en drive il n'y avait pas la marque Repère. Donc en drive on ne trouve pas tout. Mais la marque Repère, les Gansette, ça va, ils sont bons quand même. Bon, là c'est les Panzani du coup. Et pour finir, du coup, je crois que je vous ai tout montré. Donc, du coup, les fameux Coca-Cola. Goût original, du coup. C'est des 2 litres, je crois. Non, des 1,75 litre. Donc, j'ai pris 6 bouteilles ben, pour dépanner, du coup, vu qu'il n'y avait plus le Pepsi. Donc, voilà, je crois que je vous ai fait le tour. Donc, pour les repas cette semaine. Donc, ce soir, c'est boule fromage. Salade. Demain midi, c'est poulet, frites, petits pots carottes, haricots verts, champignons. Demain soir, ça sera des pains bagnards. Lundi midi, ça sera les pommes de terre aux œufs. Lundi soir, ça sera. Je ne sais plus. C'est pâte escalope de dinde. Mardi midi, ça sera des croque-monsieur. Parce qu'en plus, j'ai le gars qui vient du coup pour le changement de compteur. Donc ça sera vite fait le midi parce que je ne sais pas quelle heure il va passer exactement. Mardi soir, que je ne dis pas de bêtises, j'essaye de tête, là je ne sais plus. Mardi soir c'est raclette, mercredi midi c'est pâte œuf je crois. Mercredi soir, il me semble que c'est pain fromage. Jeudi midi, c'est frites saucisses ou c'est sens inverse avec le mercredi midi. Jeudi soir, c'est. Eh, ça suffit! Jeudi soir, c'est quoi? C'est pain fromage, je crois. Vendredi midi, je n'avais rien. Je crois que j'ai rien noté. J'ai oublié de noter. Et vendredi soir, du coup, ça sera spaghetti boulette, il me semble. Enfin, vous voyez un peu. Donc, il y aura des spaghettis, des frites. Des pains bagnards, du poulet, de la raclette. Voilà, c'est un peu mélangé, mais on a fait le repas du coup de toute la semaine. Donc voilà le petit haul de mes courses Leclerc. Donc pour cette semaine. Je vous ai tout montré. Donc je vous fais des gros bisous. N'hésitez pas à vous abonner, à partager, à liker, à commenter, à me dire si vous aimez les petits hauls comme ça. Et je vous fais des gros bisous.